bitches, it's got good bitches. Salut tout le monde, c'est Geto. Donc on se retrouve pour la suite de Star Wars. Donc il y a quelques petits problèmes au niveau de l'enregistrement, hein. J'en suis désolé. Malheureusement, on a loupé, on a sauté quelques aventures, hein, de notre Jedi qui était parti. Je sais même plus ce que j'ai loupé en fait. De base, je crois que j'ai fait un petit fail et que j'ai joué avec en pensant que c'était un des personnages que je faisais hors machin qui me servait justement à jouer et pas à rec. Donc je me suis un peu trompé. Je pensais que c'était mon spectre Jedi, mais malheureusement ben, c'était pas mon spectre Jedi, donc oh je... Ils ont pas le désarçonnage. Ah ces connards, ils ont pas le désarçonnage. Ah ils ont pas le désarçonnage. Ils ont pas le désarçonnage. La 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 la. La 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 la. Comment ça je peux pas entrer? Tout va bien. Si je peux entrer, qu'est-ce qu'il me dit lui? Il me dit que je peux pas entrer, il est con. Il est con ou quoi? Il me dit que je peux pas entrer, bordel de merde, mais je peux entrer. Arrête de raconter de la merde un peu, Jean-Pierre. Oh, il y a du monde là. Oh bah oui, il y a du monde, dis donc. Où tu vas toi? Viens jouer avec moi. Tiens, ah, bordel, je t'ai déjà dit de pas te jeter sur les gens comme ça. Voilà. Je t'ai déjà dit, Kira, de pas te jeter sur les gens comme ça. C'est très très mal poli. Ah, une petite tornade là, un petit coup de pied. Une petite poussée de la force centrifuge de mes couilles, hop là. Ah, parce que Kira, c'est très très mal poli de faire ce genre de choses, hein. Bam! Merde. Putain, mais c'est pas possible. Ah, mais toi, t'es overcheaté, toi, en fait. Tu t'es dit, non, non, il m'aura pas. Qui rentre chez lui, c'est ça? Mais attends, mais. Oh, les gars, oh! Soyez un tant soit peu content de ça, quoi, je veux dire. D'une certaine manière. Voilà. Voilà. Hein? Non, mais c'est bien de. Oh, comme il est mignon, il a un petit bâton laser. Il meurt, quoi. Je crois qu'il a pas envie de mourir, lui. Ah mais c'est pas possible, et dis donc Non 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 non, mais alors là je n'accepte pas ce que vous dites, monsieur, hein, à partir du moment où la maison tue le fait de la merde. Oh putain. Ah non, mais l'autre qui me spam d'attaque là, je suis désolé, mais je suis absolument désolé, mais là au bout d'un moment faut arrêter les conneries, bordel de merde, s'il te plaît. Michel Trafalgar, protecteur d'élite en plus, évidemment. Vas-y, meurs sous les coups de mon sabre laser qui fait de la lumière.
Pam 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 pam. Soyez raisonnable, monsieur le duc. Votre propagande de paix ne vous mènera nulle part. Seigneur Nefarid veut ce qu'il y a de mieux pour la Ah, nationale. Alors lui, elle en la fait, j'ai découvert dans les autres. Tout ce qu'il me demande, c'est de trahir les Organa. En fait. Qui êtes-vous par les étoiles? Écartez-vous de mon chemin. Il faut que je tue la criminelle à côté de vous. Criminelle? De quoi voulez-vous parler? Elle a la marque des assassins, en fait. Il cherche à vous embrouiller. C'est une cite. Je vous préviens. Je suis prête à vous tuer. Seigneur Nefarid m'a appris à affronter un Jedi. Mais pas deux Jedi? Garde, protégez le duc. Non mais oh, tu sais qui on est, nous? On est genre the best over Jedi. En plus, t'as même pas de sabre laser. S'il te plaît... T'es trop pas dans le futur, toi. Alors en plus tu te laisses maltraiter par par Kira, quoi. C'est que j'ai même pas envie de m'occuper de toi, quoi. Je pense que ton niveau doit être sous-évolué. Ok, donc on va prendre. Allez où j'arrive pas à cliquer. Donc on y va, on va faire toute la palette en bas. Tac. Tac. Un petit comme ça. Un petit comme ça, un petit comme ça. Voilà, elle s'est fait défoncer. Elle s'est fait défoncer, elle s'est fait déboîter, elle s'est fait Pardon. Ah merde, c'est à lui qu'il faut parler. Excuse-moi. Si vous voulez me tuer, dites-moi au moins pourquoi. Le Jedi n'est pas là pour vous, imbécile. Mais c'est pas grave. Personne n'échappe à la purge de Seigneur Nefarid. Bien sûr. Vous êtes mort, comme tous ces idiots de pacifistes. Bien sûr. En tant que dernière personne marquée... Jedi, vous mourrez en premier. Pourquoi ne pas m'avoir ciblé dès notre première rencontre avec le comte Hald? Je pensais que les Kilik vous dévoreraient. Mais bon, erreur réparée. Si vous espérez vous débarrasser de cette marque, oubliez tout de suite. J'ai rendu le système de ciblage inutilisable. Alors on vous a assez entendu comme ça? Ah, la droite dans ta gueule! Nous sommes condamnés à cause de cette peste! À moins que nous fassions équipe. Si vous avez un plan pour arrêter le Seigneur Nefarid, dites-le-moi. C'est simple. Le tuer avant qu'il ne nous tue. Je savais qu'il faudrait garder ce site à l'œil. Les vilaines petites teignes dans son genre préparent toujours un mauvais coup. Oh, regarde la vie dégueulasse que j'ai. Sa base est un bunker dans la montagne. Je vais vous communiquer les coordonnées. Tuez-le si vous le pouvez. J'aurais dû deviner que faire équipe, ça impliquerait que je prenne tous les risques. J'admets sans problème que vous êtes mieux équipé que moi pour affronter le site. Bien évidemment. Je vais au spatioport. Je tâcherai de trouver la marque de la mort si vous échouez. Mais avant, cette traîtresse doit mourir. Mon seul regret, c'est que vous l'ayez assommée. Rapide et sans douleur. Elle méritait plus que ça. Et dire que le Conseil Jedi a peur que je penche du côté obscur. Allez-y, arrêtez des farines. Ah bah ouais, t'es vachement mal barré avec moi, je te le dis. Hein. Oh, je l'ai étranglé dans son seau. Oh putain, c'est dégueulasse ce que je viens de faire là. C'est absolument dégueulasse. Ça. Donc attends, je cherche ce que... Alors ça c'est pour la défense, donc je vais prendre lui. Alors s'il te plaît, par contre, tu vas l'équiper directement. Voilà. Et toi là, tu vas avoir l'air d'une conne avec cet habit. Et voilà, tu as l'air d'une coconne. C'est bien. Regarde. Ah bah oui, hein, elle a l'air d'une coconne maintenant. Et moi, c'est pas mieux avec mon habit rouge. Hein. Regarde, on dirait un prêtre de la lumière Maître rouge. Orcus, la marque de la mort est neutralisée, mais j'ai été ciblé. L'apprenti de Dark Angral m'a marqué. Je me dirige vers sa forteresse. Où êtes-vous? Trop loin pour t'aider. Je t'ai caché la vérité au camp. Ce n'est pas l'apprenti que je cherche. Je chasse Dark Angral. Et je viens de trouver son croiseur. Il faut alerter la flotte, qu'elle aille le détruire. Ce ne sera pas aussi facile. Le croiseur est aux limites du système, hors de portée des capteurs planétaires. Il va bientôt entrer en hyperespace. Bien sûr. C'est sans doute notre seule chance de l'arrêter. Bien sûr. Je vais monter à bord. Bien sûr. Je comptais prévenir quelqu'un au cas où.
Je peux peut-être trouver un moyen de déjouer la marque de la mort, de vous rejoindre. D'après ce que tu m'as dit, il nous reste peu de temps. C'est ainsi que ça doit se passer. Arrête l'apprenti d'Angral. Non mais attends, on sera trop contraint. Que la force soit avec toi. Non Morgus, terminé. Son apprenti, ouais, bah il est mort, je crois. Attends-moi, je suis marqué, ouais, attends-moi, maître, attends-moi. Parce qu'en fait, celle que je viens de tuer là à l'instant, avait récupéré comment un... La marque de la mort, c'est un appareil qui se situe autour d'Alderaan, apparemment un genre de satellite en fait, et quand elle marque quelqu'un, ça le tue, ça envoie un laser qui le tue instantanément, peu importe où est la personne. Et c'est pour ça justement qu'il nous avait demandé d'aller ici, parce qu'il y avait un Gugus qui faisait de la merde comme ça, donc... Mais pourquoi je cours? Attends. Ah ouais, ah bah j'ai bien fait, ouais, je continue à courir, ouais. Parce que c'est quand même assez proche. C'est justement pour ça que... Enfin bref, ça me fait un peu chier de m'être trompé de personnage. Parce que j'en ai 2-3 à côté que je joue et ça me fait chier de m'être trompé et d'avoir pris celui-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Ouais, comme vous pouvez le voir, exactement, voilà. Hop, ça c'est pas celui-là, c'est celui-là que je veux dégager, et celui-là aussi. Effectivement. Bien évidemment qu'ils vont me tirer dessus, hein. Ça restait trop simple sinon, si on me tirait pas dessus, hein, si le jeu était que pure gentillesse, on va dire, ça aurait été beaucoup plus simple, ça aurait été d'une simplicité enfantine, hein. Alors, je rappelle bien évidemment que peut-être vous avez vu que peut-être je peux tourner et faire un 360. Ok, il y a eu deux neurones qui se sont touchés pendant un instant, tu vois, et ça a fait une montée de débilité intense. En revenant de Nantes avec les sabots d'ondes. Je ne vois pas pourquoi c'est par là. Je ne vois absolument pas pourquoi ce serait par là. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi ce serait par là. Apparemment, c'est bien et bien par là. Non, ça c'est une phase de Jedi consulaire, donc c'est pas ça. Ah, et en plus il y avait un putain de TP, tu vois, j'ai fait le chemin en monture alors que t'avais une putain de TP juste à côté, quoi. C'est dingue. C'est absolument dingue. Alors on est là, hop. On est bon. Tout ça est très très bon. Hop, on va tourner, on va essayer de tourner par là. Et il était si loin que ça, son repère. Oh, il était pas si loin que ça, son repère, logiquement. Oh, quand même. Un peu de bon sens, bordel. Il n'était pas si loin que ça. Je le voyais plus loin. Votre repère, messire. Votre repère, il est ici. Votre repère, messire.
Bienvenue dans le mur, Zool. Chargé. Non, t'as même pas besoin de faire des techniques, c'est tu leur fous juste 3 coups de 1, le bordel il tombe quoi. Moi j'ai même pas besoin de me fatiguer. À toi par contre, toi peut-être. Ah ouais, toi par contre, toi tu m'as l'air chaud patate pour faire du duel de sabre. Hein. Hop. Toi tu te tais. C'est par là? On vous dérange pas, hein, vous êtes en pleine séance d'entraînement, je ne vous dérange pas, hein, je fais que passer. Voilà, ça c'est quoi? C'est pour foutre la protection, ok. Je ne fais que passer, messieurs, je ne vous dérange pas. Ah, on arrive. On arrive, on arrive. C'est fou comme tu t'obstines. Toutes les occasions sont bonnes pour me pourrir l'existence, c'est ça? J'ai tué votre espionne. Sans ces marquages, vous serez vite à court de cibles. Dans ce cas, je ferai tout pour profiter de mes dernières cibles. Mon maître est en train de me transmettre un holo-message. C'est oui, tentant. Bien sûr. Regarde-le avec moi. S'en prendre à mon croiseur sans aucune aide. Il faut vraiment être inconscient, Augustine. Maître! Il n'est pas trop tard, Angral. Faites le bon choix cette fois. Rendez-vous. Non, mais... Dommage que tu ne m'aies pas amené ton élève. Je vous aurais tué tous les deux. Oh, ça m'étonnerait, hein. Je suis niveau 32 aidé. Dis-moi, Jedi. As-tu peur de mourir? Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la force. S'il n'y a pas de mort, où est mon fils? Ah bah oui. Non! Et maintenant, à moi de t'achever. De toute façon, tu ne peux pas combattre l'invisible. Votre puanteur vous trahit. Pas besoin de vous voir. Vous sentez assez fort. Je commençais à bien t'aimer. Dommage que tu doives mourir. Oh, j'ai failli oublier. La marque de la mort est enfin réparée. Et son laser te poursuit. Mais non, j'ai des capacités de Jedi, tu vas voir, je vais les éviter ou créer un bouclier comme font beaucoup de gens qui sont à la dérive dans l'espace. Je vais le tenir tant que je veux. Ah le bâtard, on sait tous les deux. Il est où? Il est où ce con? Il est où, tu l'as vu? Elle part en haut, c'est qu'elle l'a vu, non? Ah, il est là. T'es barré où, enfoiré? Ah t'es là-bas. Ouais il était où cet enfoiré? Ouais t'as pas besoin de m'attirer hein, je suis pas venu à toi mon gars. C'est ça ton apprenti? Il pue grave la merde en fait. Ton apprenti il pue grave la merde hein, désolé de te le dire mais il pue mais alors extrêmement grave bien de la merde hein. Ah mais ton apprenti il était mais tellement pitoyable. Ah mais alors là j'ai l'impression d'avoir Kylo Ren en face de moi. Pardon pour Kylo Ren hein, mais Enfin même le maraudeur il est plus Il a plus de panache que l'espèce de machin que j'ai combattu avant. Hein.
Parce qu'à part se rendre invisible, ton bordel il faisait rien du tout. Hein. Je fais de l'invisibilité. Je balance un rayon de la mort, ce qui est super simple à éviter. J'ai pas l'impression. Comment ça se fait que t'es au fait, hein? C'est quoi ce que... L'autre il est mort, en vrai? Mais non, l'autre il est mort, merde, je me disais comment ça se fait qu'il a overcheaté. Ok, ouais, non, je sais pas. Je sais pas, je le trouvais overcheaté celui-là quand même. Ah là, le rayon de la mort, on va le dégager. Les coordonnées. Ah, ok, d'accord. C'était ça les coordonnées. Je me disais, merde, c'était quoi les coordonnées qui visent? La marque de la mort a été détruite. Les vôtres sont sains et saufs. Je vais prévenir le palais des Organa immédiatement. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Oh, mais de rien. Le duc Tulle affirme que vous avez exterminé l'espionne Alena. Je regrette qu'on n'ait pas pu la juger pour ses crimes. Son témoignage aurait pu servir à retourner les autres maisons contre l'Empire. Ah, effectivement. Ouais. Dark Angral a capturé et exécuté mon maître Jedi. Ouais, toutes mes condoléances. Maître Orgus devait être un grand homme. Soyez tranquille. Je veillerai à ce que votre maître ne se soit pas sacrifié en vain. J'ai l'impression que tu t'en bats les couilles, en fait. On devrait que retourner mon maître au vaisseau. Mort. Prévenez le général Varsutra pour maître Orgus. Ouais, j'ai l'impression en gros que tu t'en bats royalement les couilles que l'autre soit mort, hein, je sais pas. Ah oh, ouais, bah c'est dommage, ça devait être quelqu'un de bien, ouais. Bon bah écoute, ouais. Ah j'ai l'impression ouais que tu t'en bats un peu les couilles en fait, que mon maître soit mort, tu t'en bats mais un petit peu royalement les couilles, j'ai envie de te dire, donc Bon, on va se re-TP donc spatioport. Bah juste faire une petite TP au spatioport, puis je pense que ça devrait être bon, puis qu'on reprendra la suite la prochaine fois, parce que l'horloge tourne les amis, l'horloge tourne. Donc je vous dis eh bien. Bah, je vous dis que la force soit avec vous et à plus.